Dans cette vidéo, on va parler de la représentation graphique de la fonction u plus k quand on connaît celle de u. Mais bon, tout d'abord, c'est quoi en fait les fonctions u plus k? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc dans u plus k, u c'est une fonction, k c'est un réel, un nombre. Qu'est-ce que c'est donc la fonction u plus k? C'est la fonction qui est définie sur le même ensemble que la fonction u et qui a tout nombre x associé u de x plus k. Autrement dit, si je fais u plus 5, c'est la fonction qui fait u de x plus 5. Elle ajoute 5 à la fonction, au nombre u de x. C'est tout ce que tu as à savoir sur u plus k. Alors, ce qu'on veut savoir ici, c'est qu'est-ce qui se passe entre u et u plus k. Donc là, on a tracé la courbe d'une fonction u, cette courbe verte. Je crée un curseur k qui va varier pour moi là de moins 5 à 5. C'est moi qui ai décidé, hein, de moins 5 à 5. J'aurais très bien pu faire de moins 10 à 10. Et donc ce k représentera le k qui varie là quand tu fais u plus k. Donc là par exemple il vaut moins 5, donc j'aimerais bien savoir ce que c'est que la courbe de u moins 5. Quand on la trace justement cette courbe rouge, la u moins 5, qu'est-ce qu'on observe? On se dit, oh bah dis donc, de loin comme ça, elles semblent avoir la même allure. C'est-à-dire que quand la courbe verte monte jusqu'à à peu près moins 0,8 là en abscisse, la courbe rouge monte aussi. Elles redescendent toutes les deux jusqu'à à peu près 0,8 et elles remontent ensuite. Donc on se dit, bon, elles se ressemblent ces deux courbes. Maintenant, est-ce que c'est tout le temps vrai? Donc ce que je fais, c'est que je crée deux points pour voir un petit peu ce qui se passe. L'un sur la courbe verte, l'autre sur la courbe rouge. Tous les deux de même abscisse. Ici, ils ont tous les deux pour abscisse 1. Et si je place deux autres points, là j'ai placé en moins 1, j'ai fait la même chose, hein. J'en ai placé un sur la verte et sur la rouge, j'aimerais bien voir ce qui se passe. Bon, faisons varier le k et on regarde un petit peu ce qu'il a l'air de se passer. Eh bien, quand on fait varier le k, on observe quand même que la courbe rouge, elle n'a pas l'air de bouger. En forme, c'est toujours la même. Et quand même, elle ressemble étrangement quand même à la courbe verte. Si je regarde un petit peu ce qui se passe entre les points A et B et C et D, ben là j'ai K égale moins 2, autrement dit la courbe rouge c'est la courbe de U moins 2. Qu'est-ce qu'on observe? C'est que pour passer de A à B, oh, ben bizarrement je suis descendu de 2, de C à D aussi. Et ça, même si j'avais placé le point A, on voit bien en fait que l'écart là entre les deux courbes, il fait toujours moins 2. On vous dit, oh, est-ce que ça aurait un lien avec le K? Bon, on continue à faire varier le K et on regarde un petit peu ce qui se passe. Si je prends k égale moins 1, ah bah oui, on observe qu'entre A et B et C et D, on est descendu de 1. Ah, ça voudrait dire qu'en fait, il y en a une, enfin la courbe rouge, elle est obtenue par translation, par glissement en fait, de la courbe verte. Quand je prends k égale 0, ah bah tiens donc, dis donc c'est vraiment la même courbe, c'est normal puisque u est u plus 0 c'est u, autrement dit c'est normal qu'elle soit au même endroit. Quand je prends k qui est positif, k égale 1, eh ben, on voit bien qu'en fait, la courbe rouge, c'est vraiment la courbe verte, c'est la même, elle n'a pas bougé de forme, c'est vraiment la même, qui a glissé vers le haut d'une unité, et etc., comme ça, pour n'importe quelle valeur de k. Donc, si je me mets à k égale 5, on observe que, pour aller de c à d, je suis monté de 5, de a à b, je suis monté de 5. Donc, quand on observe ça, on voit bien que la courbe de u plus k, on l'obtient comment? Ben, on l'obtient à partir de la courbe de U par une translation de K fois J. J étant le vecteur unité sur l'axe des ordonnées. En conclusion, comment est-ce qu'on passe de la courbe de U à la courbe de U plus K? Ben, en fait, on fait une translation de vecteur K fois J.